Le Seigneur nous a demandé The Lord asked us de bâtir toute l'église to build the whole church afin que chacun, chaque disciple devienne un ministre authentique de la délivrance. So that every member, every disciple will become a genuine minister of deliverance. Et j'étais alors à Bengur, non, à Nyimbilekro. At that time I was in Nyimbilekro. Et il m'avait dit, and he told me, l'enseignement pour introduire tout le monde dans le ministère de délivrance, c'est l'évangile. That the teaching to introduce everyone into deliverance is the gospel. Il faut expliquer l'évangile. The gospel must be explained. Parce que l'évangile, because the gospel est la puissance de Dieu, is the power of God pour le salut de quiconque croit, for the salvation of everyone who believes. Et l'évangile révèle la justice de Dieu, and the gospel reveals the righteousness of God. L'évangile expose la vanité de l'homme. The gospel exposes man's vanity. La vanité de sa vie. The vanity of his life. La vanité de sa sagesse. The vanity of his wisdom. La vanité de sa science. The vanity of his knowledge. L'évangile ramène l'homme dans la lumière de Dieu. The gospel brings man back to the light of God. L'évangile chasse les ténèbres. The gospel drives out darkness. Et l'évangile brise la puissance du péché. And the gospel breaks the power of sin. L'évangile redonne à l'homme l'autorité perdue. The gospel gives man his lost authority. L'évangile, the gospel, c'est le message de Jésus. Is the message of Jesus. C'est la bonne nouvelle. It is the good news. Après le ministère des prophètes des nations, after the ministry of the prophets to the nations, Jésus a donné l'évangile aux hommes. Jesus gave the gospel to men. Il y aura des prophéties dans les églises. There will be prophecies in the churches. Mais s'élever comme prophète des nations, but to rise up as a prophet to the nations, ça c'est déjà fini. This is over. Car Jésus disait, because Jesus said, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. That the law and the prophets lived up to John. Depuis lors, after that, le royaume des cieux est annoncé. The kingdom of God has come. Le royaume annoncé, le royaume de Dieu devient la plus grande prophétie de la terre, de la planète. So proclaiming the kingdom of God becomes the greatest prophecy of the earth, of the planet. Et annoncer l'évangile, and proclaiming the gospel, fait de toi, makes of you, un instrument supérieur à tous les prophètes des époques passées. An instrument who is superior to all the prophets of old. Jésus a dit que de tous les hommes qui sont nés, Jesus said that of all men born of a woman, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. There is none greater than John the Baptist. Mais que les disciples, but that the disciples sont plus grands que Jean-Baptiste. Are greater, and that his disciples are greater than John the Baptist. Il y a eu des prophéties. There have been prophecies. Mais quand toi tu annonces le royaume de Dieu, but when you proclaim the kingdom of God, c'est la plus grande prophétie. It is the greatest prophecy. Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Tu es prophète. You are a prophet. Tu es ministre de l'évangile. You are a minister of the gospel. Un ministre compétent. A competent minister. Jésus a dit, Jesus said, comme le Père m'a envoyé, as the Father sent me, moi aussi je vous envoie. I also send you. Et il nous envoie avec tous les attributs. And he sends us with all the attributes. Tout le pouvoir. All the power. Toute la puissance. All the might. Toute la sagesse. All the wisdom. Toute l'intelligence. All the knowledge. L'apôtre disait, the apostle said, nous, oui, nous avons en nous la pensée de Christ. Have in us the mind of Christ. Là où tu es assis, where you are seated, tu as la pensée de Jésus. You have the mind of Jesus. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul enseignait? And what did the apostle Paul teach? Dieu a écrit la parole sur nos cœurs. That God has written the words on our hearts. Les autres, the others, avaient la parole écrite sur les tables. Had les the tables word, de pierre. The word written on tablets of stone. Mais toi, but you, et moi, and me, nous l'avons écrite sur nos cœurs. We have them written on our hearts. Je voudrais que tu dises merci. I would like you to say thank you. Vous avez vu les miracles? Did you see the miracles? Une petite fille, j'étais édifié quand j'écoutais son témoignage. A young girl whom I was edified while listening to her testimony. Il avait mal au cœur. She had pain on her heart. Il avait mal au cou. She had a pain. Elle avait les règles douloureuses. On her neck, and then she had elle painful avait menses. Des oppressions dans son sommeil. And she had oppressions. Elle a rencontré les disciples. She met disciples.
Les disciples lui ont parlé de Jésus. And the disciples spoke to her about Jesus. Ils lui ont parlé de la repentance. And they spoke to her about repentance. Elle a cru. She believed. Ils ont brisé ses liens. And her ties were broken. Elle dit, quand on a brisé ses liens, she said when her ties were broken, elle a rêvé qu'elle est dans une chambre noire. She dreamt that she was in a dark room. Elle ne voyait personne. And she could see no one. Mais elle savait qu'il y avait sa mère et sa grand-mère. But she knew that her mother and her grandmother were present. Et les deux l'ont chassée. And both of them sent her out. Est-ce que vous suivez ça très bien? Do you get that clearly? Ça veut dire que c'était la sorcellerie. It means that was witchcraft. Quand tu la vois, tu peux la chasser même. Qu'est-ce que toi tu vas même dire aux gens? When you see her, you can even drive her away. That what can we tell people? Mais les sorciers ne disent pas qu'elle n'est rien. But witches and wizards don't say that she's ça nothing. Ça doit donner l'intelligence aux frères. This must give wisdom to brethren. Quand vous voyez une âme, that when you see a soul, pauvre, poor, ou riche, or rich, soyez sérieux. Be serious. Enfant ou grand, a child or an adult, soyez sérieux. Be serious. Vous avez vu mal au cœur, mal au cou, mal au ventre. You see pain in her heart, pain in her neck, pain on her in les her belly. Les sorciers n'ont pas dit qu'elle n'a rien, laissons-la. The witches and wizards did not say she has nothing. Let's leave her alone. Dès qu'on a brisé les liens malsains, as soon as her ties were broken, sa mère et sa grand-mère l'ont chassée. Her mother and her grandmother sent her away. Elle est sortie. She went out. Elle voit la lumière. And then she saw the light. Elle entre dans la lumière. And she got into the light. Elle se réveille. And she got up. Le mal de cou est parti. The pain on her neck le had gone. Le mal de cœur est parti. The pain on her chest had gone. Les règles douloureuses sont parties. The painful menses had gone away. Vous avez écouté. You listen to her testimony. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Et ce n'est pas le pasteur Meunier qui l'a délivré. And it's not Pastor Meunier who delivered her. Ce sont les frères qui ont cru à ce que nous avons enseigné. These are brethren who believed in what we taught. Parce que Dieu dit, because God says, les choses révélées appartiennent à l'homme. That the things that are revealed belong to man. Pour qu'il enseigne ça à ses enfants et aux enfants de ses enfants. So that he should teach them to his children and his children's children. Dieu m'a révélé. God revealed to me. J'ai enseigné à nos enfants. And I taught to our children. Les enfants opèrent des prodiges. And the children are operating wonders. C'est, quand nous sommes là-bas, c'est comme si nous sommes à Abidjan. When we are there, it's like we have the feeling that we are in Abidjan. Tous nos missionnaires, all our missionaries, sont très sérieux. Are very serious. Aimez les frères, and even the brethren. Et ils travaillent, and they are working, sans police, without asking for anything, sans surveillance, without being watched over. Ils ont la passion. They have the passion. Ils aiment le Seigneur Jésus. They love the Lord Jesus Christ. Ils croient à la mission de la CMCI. They believe in the mission of CMFI. Ils croient que c'est une œuvre qui a un appel particulier. They believe that it's a work that has a particular call. Et il y a les conséquences. And there are results. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Je suis très heureux. I'm very happy. Parce que si les miracles ne se faisaient qu'à Abidjan. Because if miracles took place only in Abidjan, j'allais me poser des questions, mais ce n'est pas ce que Dieu m'a promis. I would have asked myself the question, but this is not what God promised me. Dieu ne m'a pas dit qu'il m'a donné le don de guérison. God did not tell me that he would give me the gift of healing. Dieu m'a dit qu'il m'a donné un ministère de la santé, un ministère. Ça veut dire qu'il y a dedans beaucoup de ministres. God told me that he has given me the ministry of health, and this with the ministry means that there are many ministers. Protégeons cette richesse. Let us protect these riches. Si tu donnais, if you used to give, pour la mission, for the mission, révise le budget. You should revise your budget. Quand tu écoutes les témoignages, when you listen to these testimonies, tes dons of gifts ne sont pas pour manger le placali. That's the gifts are not c'est pour sauver to eat placali. It's to save souls. Voilà les témoignages des âmes. These are testimonies of souls. Je ne connais même pas leur nom. I don't even know their names. Frères bien-aimés, beloved brethren, lève ta main. Raise your hand. Bénissons l'entreprise missionnaire de la nation. And let us bless the missionary enterprise of the nation. Dieu travaille. God is at work. Et quand Dieu travaille, and when God is at work, il ne faut pas oublier, you shouldn't forget, que tu dois lui dire merci. That you should tell him thank you. Prions ensemble. Let us pray together. Karabaka, sharabaka, sharabaka. Karabaka, sharabaka, sharabaka.
Amen. Amen. Écoutez très bien. Je méditais un jour. I was meditating one day. Le Seigneur m'a fait comprendre. The Lord made me to understand que je dois conduire les frères. That I must lead the brethren à combattre. To fight, to wage war. Et que quand nous finissons, and that when we finish, tout le temps après, the time that is left, Dieu commence à envoyer les anges en mission pour exécuter tout ce qu'on a demandé. God begins to send angels on mission to execute all that we asked for. On peut prier. We can pray. Même si tu ne sens rien. Even if you feel nothing. Ne t'inquiète pas. Do not worry. Le frère qui a rendu témoignage de 2001. There's a brother who said. Donc, il n'a pas rendu témoignage ce jour-là. He was sick and then. Or the pastor passed. Il trouve, il réalise qu'il est guéri. And when he was prayed for, he went and realized that he was healed. Il y avait une liste de gens qui devaient rendre témoignage. There was a list of people who had to testify. Il est venu le premier. Je cherche son nom, il n'y a pas son nom sur la liste. He came the first, and when I looked for his name, I did not see his name on the list. Je voulais lui dire que pardon, ton nom n'est pas sur la liste. J'ai reçu que le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. And I wanted to tell him that your name is not on the list, but I received that the kingdom of God is forcefully advanced. Je and the violent take it by force. Parle. I said, speak. Et il a rendu un témoignage authentique. And he testified, he gave a genuine testimony. Il y a plusieurs enseignements dans ce témoignage. There are many teachings in that testimony. Les dons, les guérisons que Dieu opère. The healings that God operates sont durables et définitives. Are sustainable and definite. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Je dis ceci pour préparer. Je suis déjà en train de préparer la croisade. I'm saying this because I'm already preparing your minds for the crusade. Le frère de notre frère Abdourahman, son père dit ceci. Brother Abdourahman's father says. Il était malade. That he was sick. On l'avait envoûté. He was bewitched. Et il y avait des démangeaisons sur son corps, le dos, surtout le dos. And his body was itching all over, especially his back. Donc chaque jour. So every day. À 9h. At 9 a.m. Il y avait un manguier sur lequel il allait s'adosser pour frotter le dos. There was a mango tree where he went and leaned to scratch his back. C'était là sa punition. That was his punishment. Son reproche. That was his shame. Et je suis allé à Yamoussoukro rendre ministère. And I went to Yamoussoukro once to minister. J'ai conduit les frères dans le combat. And I led the brethren into warfare. Et on a prié. And we prayed. Il est rentré. And he went. Dans la nuit. In the night. Il rêve que un serpent noir est en train de sortir de la maison avec des magnans. Beaucoup de magnans sortaient de sa chambre pour partir. He dreamt that a black snake was leaving the house with so many black ants and they were going away. Il a lancé quelque chose. Then he threw something. Ça a coupé la queue du serpent. And he cut the tail of mais the snake. Mais les magnans et le serpent sont partis. But the ants and the serpent and the snake went away. Il dit, il se réveille, son corps est glacé. And he said when he got up, his body was cool. Comment? Après? Afterwards? Il sort. He went out. 9h. At 9 a.m. Rien n'arrive à son dos. Nothing happened to his back. Il dit, ah! He said, wow! Je suis délivré. I'm delivered. Alléluia. Hallelujah. Il a pris tout ce qui restait de l'islam, il est parti jeter. He took everything that was left from the Islamic religion and then he went and threw them away. Qu'est-ce que vous avez remarqué? What did you notice? Il y a eu des prières. There were prayers. Il est rentré. And he went home. Et le combat a eu lieu. And the warfare took place. Le serpent est parti avec ses magnans. And the snake went away with all the ants. Et un homme est guéri totalement et définitivement. And a man is healed totally and definitely. Prochainement. Next time. Si on dit que on combat.
When we say that we have to wage war, crois. Believe. Crois que ce que tu dis là. Il y a le secrétariat de Dieu. Le Seigneur ouvre mon intelligence. Mais il y a un secrétariat. Believe that what you are saying, that God has a secretariat, because God opened my eyes to see that he has a secretariat. Il y a les décrets de Dieu. Dieu décide. And God sends out decrees. On publie. And it's published. Si on ouvre tes oreilles, tu vas entendre comme la radio de Dieu qui annonce les publications des décrets de Dieu. And if your ears are opened, you hear like God's radio announcing decrees of nominations and the rest. Quand tu lis la Bible, tu peux sentir ça un peu. Dis terre, 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 écoute. When you read the Bible, you can hear when it says, "Oh, earth, earth, listen." Ça veut dire que c'est un décret que Dieu veut publier. It means that it's a decree that God wants to publish. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Frère, prépare-toi par la foi. Lord, prepare yourself by faith. Dieu va faire des merveilles. God will do wonders. Les semeurs vont opérer les miracles. The sowers will perform miracles. Là-bas à Atiekwa. There in Atiekwa. Certains vont dormir même sur les herbes. Some will sleep on the trees. Et ils seront heureux. And they will be happy. Jésus-Christ. Nous avons vu le principe de la grâce. We saw the principle of grace. Nous avons vu le principe de la foi. We saw the principle of faith. Et le principe de la miséricorde. The principle of mercy. Suivez très bien, j'ai dit le principe. Listen attentively, I say the principle. C'est-à-dire que la loi qui est la clé. It means it's the law which is the key. C'est pas le développement. It's not a development. Qu'est-ce qui constitue cette grâce-là? It's talking about what constitutes grace. On dit que nous sommes les dispensateurs de diverses grâces. Il y a cette grâce-là. Quand on dit la foi, qu'est-ce qui fabrique la foi? When they say we are custodians of diverse grace, and when we talk about faith, what constitutes faith? Qu'est-ce qui l'engendre? What does it involve? Quand tu vas entendre quelqu'un dire la grâce de Dieu. When you hear someone say the grace of God, il veut dire que Dieu t'accorde quelque chose sans tenir compte de ton état. C'est-à-dire sans que tu le mérites. He's trying to say that God grants you something without taking into account your state, without taking into account whether you deserve it or not. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Dieu donne son fils. God gave his son par amour, by love, aux gens qui blasphèment, to people who blaspheme. C'est une grâce. That is grace. Personne ne mérite ça. No one deserves it. Mais la grâce ne veut pas dire que si tu pèches, Dieu te bénit seulement, il te bénit seulement. But grace doesn't mean that if you sin, God just blesses you and he continues to bless you. Comme beaucoup de personnes enseignent ça dehors. As many people are teaching it out there. La parole de Dieu dit. The word of God says. Est-ce qu'il faut que nous demeurons dans le péché pour que la grâce abonde? La réponse est non. Shall we continue in sin so that grace should abound? The answer is certainly Je no. Je sais que tu as déjà rencontré les gens. I know that you have certainly met people qui essaient de t'expliquer. Who are trying to explain to you que le péché n'existe pas. That sin doesn't exist. Ne les écoute pas. Do not listen to them. Ils font leur travail. They are doing their job. Ils ont leur maître. They have their master. Nous faisons notre travail. We are doing our job. Nous avons notre maître. We have our master. La parole dit que notre maître est venu nous délivrer d'un siècle mauvais. The word of God says that our master came and delivered us from an evil age. Ces gens-là vont te dire, Jésus avait pardonné à une femme adultéreuse. Those people will tell you that Jesus forgave an adulterous woman. Mais il te cache la partie qui dit que Jésus lui a dit,
va et ne pêche plus de peur que le pire ne t'arrive. Il cache ça. But they will hide the part that says, Jesus told the woman, go and sin no more, lest something worse happens to you. Ils ne sont pas dans l'ignorance. They are not ignorant. Ils font leur travail. They are doing their job. Ils servent leur maître. They are serving their master. Ils sont fidèles à leur maître. They are faithful to their master. Toi aussi. You as well. Serve ton maître. Serve your master. Sois fidèle à ton maître. Be faithful to your master. Jésus a été fidèle. Jesus was faithful. L'apôtre Pierre rend de lui le témoignage. The apostle Peter bears testimony of him. Qu'il a été tenté. That he was tempted. Qu'il n'a commis aucun péché. Without sin. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Et la grâce nous enseigne à nous éloigner du péché. And grace teaches us to flee from sin. Ça c'est le principe. Quand la grâce vient de Dieu, c'est ce que ça veut dire. When grace comes from God, that is what it means. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? On ne peut pas conquérir une nation. We cannot conquer a nation si on ne proclame pas ces lumières-là. When we don't proclaim this light. J'étais heureux un jour. One day I was so happy. Le biographe de Finney dit que l'une des batailles de Finney était de combattre ces gens-là. C'est-à-dire d'expliquer, pas combattre, qu'ils discutent avec eux. De proclamer un évangile tellement clair que il avait l'autorité sur ses adversaires. The biographer of Finney says that one of his battles was to fight against those people. That is, he had to publish what came against what they taught. Pour te parler comme un père parle à ses enfants. To speak to you as a father speaks to his children. Si j'entends, if I hear, qu'on t'a trompé, that you have been deceived, je vais te punir. I will punish you. Ancien, vous comprenez, non? Elders, do you understand? Si j'entends, if I hear, après tout ce que je te dis, si j'entends, after all what I'm telling you, if I hear t'a trompé, that someone deceived you, tu vas me dire comment ça s'est passé. You tell me how it happened. Parce que moi, je les ai déjà rencontrés, ils sont là. Because for one, I've met them and they are there. Ils servent leur maître. They are serving their master. Et ils sont zélés. And they are zealous. Moi aussi, je suis zélé. And I am zealous as well. Acclamation à Jésus-Christ. Let's clap to Jesus Christ. Le principe de la foi. The principle of faith. La foi parfaite. Perfect faith. Vient de la parole de Dieu. Comes from the word of God. Elle est différente de la croyance. It is different from belief. Elle n'est pas l'adhésion intellectuelle à un événement historique. It is not intellectual agreement to historical events. Quand tu as la vraie foi, when you have true faith, tu ne peux pas penser qu'il y a deux chemins. You cannot think that there are two ways. Pour le salut de l'homme. For the salvation of man. Tous ceux qui ne croient pas que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. All those who don't believe that Jesus is the way, the truth and the life. Ne sont pas des chrétiens. Are not Christians. Jésus Christ. Jesus Christ. C'est dit. Tells you. Je suis le chemin, la vérité et la vie. I am the way, the truth and the life. Quelqu'un d'autre te dit, mais il y a aussi telle personne, il y a aussi telle personne. Si tu acceptes ça, tu n'es pas chrétien. Another one tells, some other person tells you, but there's also this other one and the other one. If you accept it, you are not a Christian. Tu n'es pas chrétien. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Il y a beaucoup de religions sur la terre. There are many religions on earth. Ces religions-là, these religions, elles ont chacune leur fondateur. Have their founders. Le diable sait pourquoi il les a créés. The devil knows why he created them. Jésus, Dieu n'a pas de religion sur la terre. God doesn't have a religion on earth.
Dieu n'a que son fils. God has only his son. Qu'il a établi héritier de toutes choses. Whom he established the heir of all things. Par lequel il a aussi créé le monde. By whom he also created the world. C'est écrit dans Hébreux chapitre 1. It is written in Hebrews chapter 1. Et qui a fait la purification des péchés. And who made the, who brought about the purification from sin. Qui soutient toutes choses par sa parole toute puissante. And who backs everything by his almighty word. Et qui s'est assis à la droite de la majesté suprême. And who is seated at the right hand of the supreme majesty. Et Dieu lui a dit. And God told him. Tu es mon fils. You are my son. Je t'ai engendré aujourd'hui. I've begotten you today. Et la parole dit. And what says? Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit tu es mon fils? To which of the angels did God ever say you are my son? Cherchez dans les cieux et sur la terre. Search for it in heaven and on earth. Vous ne trouverez aucun ange. You will find no angel. À qui Dieu a dit tu es mon fils? To whom God said you are my son. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? La foi croit que c'est ça l'évangile. Faith believes that that is the gospel. Quand tu crois ça, when you believe in this, le ciel, le chemin du ciel t'est ouvert. Heaven and the way to heaven is open to you. Et Jésus a dit, and Jesus said, dans Jean 8 verset 24, in John chapter 8 verse 24, si vous ne croyez pas ce que je suis, if you don't believe what I am, vous allez mourir dans vos péchés. You will die in your sins. La vraie foi, true faith, croit, believes, que Jésus est le fils de Dieu. That Jesus is the son of God. Qu'il a été déclaré fils de Dieu. That he was declared son of God. La vraie foi, true faith, croit que Dieu était dans le monde. Believes that God was in the world. À travers son fils Jésus-Christ. Through his son Jesus Christ. Et que Dieu était en Christ. And that God was in Christ. Réconciliant le monde avec lui-même. Reconciling the world to himself. Et n'imputant point de péché aux hommes. And not attributing their sins to men. C'est ça la vraie foi. That is true faith. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Si tu as l'encens ici, la croix ici, les statues ici. If you have ashes here. Tu as déjà raté. The cross here and the statues there, you have already missed out. Si tu ajoutes encore Marie, là encore c'est grave. If you add Mary to it again, it's the worst. Bouddhisme, hindouisme, tout ça, islam, tout ça. Tous sont des créatures de Dieu. Ils ont besoin de Jésus de Nazareth. Buddhism, Hinduism, Islam and the rest are just works of the devil that need Jesus. Le vaudou, tout vaudou ça. And all of that. Le poro. Poro and the rest. Le tétékpan. Ah, les combien. 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 Tous ont besoin de Jésus. All of those ones need Jesus. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Rosicruciens, francs-maçons. Rosicrucians, Freemasons. Tous ont besoin de Jésus. All of them need Jesus. Si tu as compris ça. If you have understood this. Si tu crois, c'est ça qu'on appelle la foi. If you believe in this, that is what we call faith. Il y a la repentance envers Dieu. There is repentance towards God. La conversion à Dieu. Conversion to God. Et la foi authentique en Jésus. And genuine faith in Jesus. Trois piliers du salut. Three pillars of salvation. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? La repentance, c'est pour régler le problème du péché. Repentance is to solve the problem of sin. La conversion, conversion, c'est pour régler le problème du moi et de l'amour du monde et de l'idolâtrie. Is to solve the problem of self, the love of the world and idolatry. Comme ça, Dieu est le seul. In such a way that God is the only one. Sur le trône de ton cœur. On the throne of your heart. La foi authentique. Genuine faith, c'est pour hériter le salut. Is to inherit salvation. Parce que Dieu a pris son fils et son fils a accompli toute la loi relative au salut de l'homme. Because God took his son and his son accomplished all of the law which has to do with the salvation of man. Jésus représente tous les sacrifices. Jesus represents the entire sacrifice. Quand tu as Jésus, when you have Jesus, tu as offert tous les sacrifices que la loi exige. You have offered all the sacrifices that the law demands. Tout ce qui te reste maintenant, what is left for you, c'est de marcher
dans la plénitude du Saint-Esprit. Is to walk in the fullness of the Holy Spirit. Marcher selon l'Esprit. Walk according to the Spirit. Et vous n'accomplirez point les œuvres de la chair. And you not accomplish the desires of the flesh. Dites amen. Say amen. Le principe de la miséricorde. The principle of mercy. Nous avons vu que la miséricorde exige que tu reconnaisses ton péché, que tu le confesses en implorant la grâce de Dieu. We saw that mercy demands that you acknowledge your sins and you confess them, calling upon God's grace. Et Dieu pardonne à qui il veut. And God forgives who he wants. Si tu caches tes péchés, if you hide your sins, tu ne peux pas prospérer. You will not prosper. Si tu les confesses, but if you confess, tu les abandonnes, and abandon them, tu obtiens la miséricorde. You obtain mercy. Donc la miséricorde a des rapports étroits avec la vraie repentance. So mercy has a straight relationship with true repentance. Et quand tu te repens, and when you repent, Dieu te pardonne totalement. God forgives you totally. Sans demander d'offrande. Without asking for an offering. Dieu ne veut pas d'offrande. God needs no offering. Si tu as péché, if you have sinned, tu te repens, ne donne pas l'argent. You repent, don't give any money. Ne donne pas les moutons, ne donne rien. Do not give sheep. Tu as péché, you've sinned, tu confesses, you confess tu your sins, tu demandes grâce, and you ask for grace, Dieu t'accorde sa miséricorde. And God grants you mercy. Dieu peut retirer la miséricorde. God can withdraw his mercy. Nous l'avons vu dans Jérémie. And we saw that in Jeremiah. Ce soir, voyons le principe de l'élection. This evening, let us look at the principle of election. Vous notez ceci. Write this down. En rapport avec le plan de rédemption, with regards to the redemption plan, l'élection, les promesses, election, promises, sont liées à l'alliance. Are tied to the covenant, l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham, the covenant that God got into with Abraham, avec le peuple d'Israël, with the people of Israel, et cette alliance qui s'étend à tous les êtres humains, and this covenant spreads to all human beings. C'est-à-dire que l'alliance de Dieu avec Abraham, it means that the covenant of God with Abraham, quand tu entendras l'alliance avec Abraham, when you hear now that the covenant with Abraham. Ça veut dire que c'est aussi l'alliance avec toi. It also means that is the covenant with you. Dieu a dit à Abraham, God told Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies par toi. All the families of the earth will be blessed through you. Tu seras une source de bénédiction. You will be a blessing. Donc quand Dieu bénit Abraham, so when God blesses Abraham, il t'a en vue. He has you in mind. C'était pas pour se limiter sur Abraham seul. It was not to limit himself to Abraham only. C'était pour introduire l'humanité dans la même bénédiction. It was to bring humanity into the same blessing. C'est pour cette raison qu'on enseigne qu'Abraham était un premier missionnaire. That is why we teach that Abraham was the first missionary. L'élection traduit. Write down that the election means. L'élection traduit la décision souveraine. Election translates the sovereign decision par laquelle Dieu choisit certaines personnes, by which God chooses certain people, ou certains groupes de personnes, or a certain group of people. La décision souveraine is a sovereign decision par laquelle Dieu choisit certaines personnes, through which God chooses some people, ou certains groupes de personnes, or some groups of people. Pour quel but? For a goal. Pour exercer certaines missions spécifiques. To exercise some specific missions. Relative à son dessein. With regards to his purpose. Vous notez ceci. Write this down. Dieu a disposé les choses. God has made things in such a way. De telle sorte que tous ceux qui croient en Jésus deviennent automatiquement des élus et héritiers des promesses de Dieu. That all those who believe in Jesus Christ automatically become elects and co-heirs of the promises of God. Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu a décidé, God has decided, que si quelqu'un donne la vie à Jésus, that if someone gives his life to Jesus, il est déjà un élu. He is already an elect.
Ça veut dire qu'il y a des élus parmi les élus. It means that there are elects amongst elects. Nous sommes tous élus parce que nous avons cru en Jésus. We are all elected because we believed in Jesus. En tant que groupe de personnes, as a group of people, Dieu nous donne un travail. God gives us work. Il opère une autre élection pour élever qui va nous diriger. He operates another election to elevate the one who will lead us. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Il peut décider que Moïse va conduire Israël. Moïse devient un élu dans ce domaine-là. For example, he can decide that Moses will lead the children of Israel. In that case, Moses becomes an elect. Et il peut dire que les Lévites seront les sacrificateurs. Ça devient donc une tribu élue pour ce but-là. And he can decide that the Levites will be the high priest. They therefore become elects. That is, that tribe becomes the elects. Dieu est souverain. God is sovereign. Lisons d'abord dans Ephésiens chapitre 1, pardon. Let's read Ephesians chapter 1. From verset 1 au verset 5. From verse 1 to verse 5. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Ephesians chapter 1, from verse 1 to 5. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints who are in Ephesus and faithful in Christ Jesus. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, just as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will. Amen. Donc, Dieu nous a élus. So God elected us. Avant la fondation du monde. Before the foundation of the world. Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. So that we should be holy and blameless before him. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Trois personnes prient d'abord. Let three people pray. Seigneur, tu es en train de nous faire comprendre que dans tes desseins éternels, tu as décidé de sauver les hommes. Que tous les hommes sont appelés à croire en toi, Seigneur. Oh Seigneur, je prie que chacun comprenne cela. Que tous les hommes sont appelés à croire en toi. Et que le premier homme que tu as appelé, c'était Abraham. Seigneur, tu es en train de nous faire comprendre que quand nous sommes maintenant appelés, il y a une autre élection qui entre en vigueur pour choisir celui qui va faire telle ou telle chose. Et que nous avons été choisis pour t'aimer, te suivre, être libre en toi, irrépréhensible et saint. Nous sommes appelés à être saints. Nous sommes capables donc d'être saints. Seigneur, c'est ce que j'ai compris. Et je sais que c'est ce que tu veux nous dire. Je prie donc, Seigneur,
que tu ouvres les yeux de tes enfants. Tu ouvres nos cœurs pour comprendre ces choses. Oh, que le voile soit déchiré. Oh Seigneur, je prie que tu rendes la chose simple au regard de chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Cette compréhension est sérieuse, Seigneur notre Dieu. Car nous n'avons rien fait et tu nous as choisis, Seigneur. C'est une joie de savoir que nous sommes choisis avant que le monde ne soit créé. Et tu as mis cela à l'existence. Mais cela demande, Seigneur Dieu, que nous marchions avec toi dans la sainteté, Seigneur. Oh Dieu, un cadeau qui n'a pas de mérite, mais qui demande, Seigneur, de moi une prise de conscience de marcher comme toi, de marcher comme toi, de voir les choses comme toi, d'être saint comme toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un lise Romains chapitre 9 à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Romains chapitre 8, from verse 9 to verse 11 à 16. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Frères bien-aimés, beloved brethren, ne sois jamais jaloux. Never be jealous. Si tu vois un de tes frères réussir auprès de toi, if you see one of your brethren succeeding next to you, c'est le principe de l'élection qui opère. It is the principle of election that is at work. Vous êtes né le même jour. Maybe you were born on the same day. Vous avez cru au même message. And you believed after the same message. Mais Dieu, but God, peut prendre ton frère et devient dirigeant de l'assemblée. Can take your brother and he becomes an assembly leader. Ne commets pas l'erreur de croire qu'il est plus intelligent que toi. Do not make the mistake of believing that he is more intelligent than you. Dieu opère par l'élection. God works through election. Et celui qui est élu ne le mérite pas. And the one who is elected doesn't deserve it. N'essaie même pas de le combattre. Lui-même ne sait pas d'où ça vient. Don't even try to fight him because he doesn't even know where it's coming from. Il est dit que Jacob et son frère étaient dans le sein de leur mère. It is said that Jacob and his brother were still in their mother's womb. Ils n'étaient même pas encore nés. They were not born yet. Ils n'avaient pas pratiqué la justice pour qu'on puisse savoir que c'est celui-ci qui aime Dieu, celui-ci ne l'aime pas. They had not yet practiced righteousness for it to be said that this one loves God and this one doesn't love God. Dans le sein de leur mère, in their mother's womb, Dieu a dit, God said, le plus grand sera assujetti au plus petit. The older will serve the younger. C'est fini. And that's the end. C'est ça le principe de l'élection. That's the principle of election. Et il est dit, ça ne dépend ni de celui qui court ni de celui qui veut. And he says, it doesn't depend on he who wills or he who runs. Il y a les luttes dans des églises où les gens ne connaissent pas le principe de l'élection. There are fights in churches
where people don't understand the principle of election. Si Dieu a élu le frère André, if God has elected Brother André pour jouer à son harmonica, to play his harmonica, tu es content ou tu n'es pas content, le frère André va jouer. Whether you are happy or not, Brother André will play. Tu t'entraînes 24 heures sur 24. Le frère André est là. Il ne sait même pas qu'il est important. You, il ne sait pas que quelqu'un s'exerce contre lui. Quand il va prendre son harmonica, il joue. You can rehearse 24 hours on 24, but André is there. He doesn't even know that someone is rehearsing to outsmart him. But when he takes his harmonica, he just plays. Ça ne dépend pas de celui qui s'entraîne. It doesn't depend on the one who rehearses or who trains himself. Ça ne dépend pas de celui qui veut ce que tu as. It doesn't depend on he who wants what you have. Ça dépend de Dieu qui donne gratuit. C'est écrit dans la Bible, hein? Je ne suis pas en train d'enseigner la philosophie. C'est écrit dans la Bible. It depends on God who gives freely. I'm not teaching philosophy. It is written in the Bible. Ça dépend de Dieu qui fait miséricorde. It depends on God who shows mercy. Tu peux rencontrer certains semeurs, tous les chants, ils entendent, tous les chants. Il faut rendre grâce à Dieu. You can meet some sowers who tune every song. Just thank God. Tu peux être avec ton frère, gagnant d'âme raffiné. You can be with your brother who is a refined soul winner. Comme nous avons eu un phénomène, le frère Kojo, il prêchait tous les jours. C'est le seul homme que j'ai vu qui n'existe pas, qu'il n'y en a pas. C'est lui que je connais, que je pouvais saluer comme ça, qui prêchait tous les jours. We had a clear case with Kojo, whom I knew, and whom I'm not saying that others don't do it, but who preached every day. Il était mon disciple. He was my disciple. Quand c'est comme ça, tu rends grâce à Dieu, mais tu fais ce que tu peux faire. When you have such a case, you thank God and you just do what you can do. Tu ne le dénigres pas. Tu ne dis pas qu'il y a des gens où sont même les âmes qui gagnent là. Ils n'ont pas bien cru même. You don't criticize him and say there are people who preach every day where even the souls that they have won. Entre dans ta chambre, tu bénis Dieu pour lui. Get into your room and bless God for him. Tu seras béni. And you'll be blessed. Ça ne dépend même pas de celui qui fait, de celui qui a reçu cette onction-là. Ça ne dépend pas de lui, il ne sait pas d'où ça vient. It doesn't depend on he who is doing it, the one who has received that anointing. He doesn't even know where it comes from. Lis pour nous 1 Corinthiens chapitre 4. Read 1 Corinthians chapter 4. Verset 7 à 8, ça c'est un avertissement. Verse 7 to 8, this is a warning. Car... qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Déjà, vous êtes rassasiés. Déjà, vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. Amen. 1 Corinthians chapter 4, verse 7 and 8. For who makes you differ from one another? And what do you have that you did not receive? Now, if you did indeed receive it, why do you boast as if you had not received it? You are already full. You are already rich. You have reigned as kings without us. And indeed, I could wish that you did reign, but we also might reign with you. Amen. Cette parole doit, si tu sais que Dieu t'a élu d'une manière ou d'une autre. If you know that God has elected you in one way or another. Parce que quand tu es élu, tu sais. Because when you are elected, you know. Parce que Dieu t'explique les choses pour lesquelles il t'a élu. Because God explains to you the things for which he has elected you. Il n'y a pas d'élu qui ignore où il va. There is no elect who doesn't know where he's going to. Si tu sais que Dieu t'a élu. If you know that God elected you.
Ne te glorifie jamais. Never take the glory. Le Seigneur dit, the Lord says, qu'est-ce que tu as que je ne t'ai pas donné? What do you have that I didn't give you? Tu sais faire ça, tu sais faire ça, tu sais faire ça. Tu es capable de ça, tu es capable de ça. Tu as acheté ça à combien? You know how to do this, you know how to do this. You are able to do this other one. For how much did you buy it? Alors si c'est moi qui t'ai donné, pourquoi tu te glorifies? So if I'm the one who gave it to you, why do you glorify yourself? Frère, brethren, ce verset, je le garde. I keep this verse. Je le garde. I keep it. Je l'étudie. I study it. Je dis bien, si tu sais, j'ai un exemple, tu diriges une assemblée, c'est toi le dirigeant. I'm saying for example, that if you know, that is, you are the leader of an assembly. Tu as acheté ça à combien? For how much did you buy it? Tu sais enseigner. You know how to teach. Tu as acheté ça où? Where did you buy it from? Dis-nous, on va aller chercher. Tell us and we'll go and get it from there. Tu es un évangéliste. You are an evangelist. Quand tu prêches, when you preach, les gens vomissent les péchés. People vomit their sins. Ils entrent au ciel en même temps. And they go to heaven at once. Tu as acheté ça où? On va aller acheter. From where did you buy it so that we too can go and get it? Alors si tu n'as pas acheté, so if you didn't buy it, ne cherche pas la malédiction là où Dieu t'a accordé sa grâce. Do not look for a curse where God granted you grace. Qu'est-ce que tu as? What do you have? Qu'est-ce qui te distingue de l'autre? What distinguishes you from the others? Je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça. I know how to do this, I know how to do that. D'accord. Right. C'est ça qui te distingue des autres. That is what distinguishes you from the others. Est-ce que ce n'est pas moi qui te l'ai donné? Am I not the one who gave it to you? C'est Dieu qui te demande. It's God who is asking you. Réponds-lui. Answer. C'est ça le principe de l'élection. That is the principle of election. Ça rend humble. It makes one to be humble. Ça crée l'amour fraternel. And it creates brotherly fellowship, brotherly love. Ça, je dis bien, ça crée l'amour fraternel. I say it creates brotherly love. Quand tu vois ton frère, when you see your brother, tu dis c'est nous, alléluia. And you say it's us, that's us, us, hallelujah. Tu vois les supporters, you see supporters, des gens qui ne peuvent même pas dribbler même un bébé, mais quand un joueur est sur le terrain, il joue là, lui il est là. Who cannot even dribble a child? C'est nous, c'est nous. When the players are on the field, they shout, "Yes, we are the ones winning." Parfois, quelqu'un s'écrit, "Nous sommes champions," alors qu'il ne peut pas dribbler même un bébé. Sometimes you hear someone shout, "We are the champions," whereas he cannot even dribble a baby. Et ils supportent l'équipe jusqu'à se battre. And they support a team until they fight. Ça, c'est les mondains. Those are worldly people. Ils sont plus sages que nous. They are wiser than us. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Si tu vois un frère prêcher avec zèle, if you see a brother preaching with zeal, qu'il n'a même pas encore fini de parler, quelqu'un vient lui dire, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? And even before he ends his message, someone comes and says, what must I do to be saved? Dis aux gens que c'est mon frère. C'est mon tell frère. People that that's my brother. It's my brother. Et puis tu es là, tu dis c'est mon frère. And you are there saying it's c'est my brother. Nous, c'est nous. Yeah, we are the ones. Hallelujah. Hallelujah. Hey Seigneur, hey Seigneur. Oh Lord, oh Lord. Touche les âmes. Let touch the souls. Tu seras béni. And you'll be blessed. Mais si ça te fait mal, but if it pains you, ça te fait mal, and you feel pain, tu ne connais pas le principe de l'élection. You don't know the principle of election. Ça veut dire que tu ne connais pas Dieu. It means that you don't know God. Ça veut dire que tu ne sais même pas ce qu'il t'a donné. It means that you don't even know what he has given you. Il y a personne parmi nous qui n'ait reçu un don particulier. Because there is no one amongst us who has not received a gift. Mais ce que Dieu veut, but what God wants, c'est que chacun s'attache à son ministère. Is that each one should attach himself to his ministry. Si tu sais ce que Dieu t'a dit de faire, if you know what God has called you to do, si on te propose autre chose, faut refuser. If something else is proposed to you, deny it. Ce qui est sûr, what is sure, c'est ce que Dieu t'a dit qui va s'accomplir. Is that what God has told you that will be accomplished?
Nous de la CMCI, we of CMFI, en tant que communauté, as a ministry, nous devons être humbles. We must be humble. Si Dieu nous a donné un ministère de réveil, if God has given us a ministry of revival, nous ne devons pas mépriser les autres. We must not despise the others. C'est ce qu'ils ont reçu. That's what they have received. Si Dieu nous a donné un apôtre, if God gave us an apostle, consacré, a consecrated apostle, ça t'a coûté combien? How much did it cost you? Donc, faut faire attention. So, be careful. Quand tu parles aux autres, when you speak to the others, il faut aller doucement. You should go slowly. Il faut montrer que tu trembles. You should make sure that you tremble. CMCI, CMCI. CMFI, CMFI. On a payé combien? How much did we pay for it? Quand un jeune homme, moi je suis le dirigeant. When a young man says, I am the leader. Quand un jeune homme dit qu'il se masturbait 7 fois par jour jusqu'à ce que le sang coule, il était misérable. When a young man says he used to masturbate himself 7 times a day until blood used to ooze out. Et il était dans une dénomination. And he was miserable. And then et he was in the denomination. Quand il est venu à la CMCI, and when he came to CMFI, on lui a parlé de Jésus. He spoke to him about Jesus. Elle a cru. He believed. Il est délivré. Il est délivré de la masturbation. And he's delivered from masturbation. Qui connaît le nom de celui qui a prêché l'évangile? Who knows the name of the one who preached the gospel? Qui connaît le nom de celui qui a prêché l'évangile à ce jeune homme-là? Who knows the name of the one who preached the gospel to that brother? Qui a écouté ce témoignage-là à la RTVC? Who listens to that testimony on RTVC? Qui parmi vous connaît le frère qui lui a parlé de Jésus, le nom? Who among you know the name of that brother who preached the gospel to him? Vous voyez? You see? C'est un frère de la CMCI, n'est-ce pas? He's a brother of CMFI, right? Et puis ça nous suffit. And that is enough for us. Et on est content déjà. And we are happy about it. C'était une sœur ou bien un frère, on n'a même pas besoin de ça. C'est un frère de la CMC, il lui a parlé de Jésus-Christ. Il a whether it's a brother or a sister, we don't know. Il est délivré de la masturbation. All we know is that it's a brother of CMF. I'll preach the gospel to him and he's delivered from sin. Ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. It's not about he who wills or he who runs. Cesse d'être jaloux. Stop being jealous. Le frère Zach causait avec nous un jour. Brother Zach was discussing with us one day. Il m'a dit. And he told me. Non, il nous a dit. And he told us. J'espère que vous avez commencé. Non, qu'est-ce qu'il avait dit? C'est toi qui retiens les phrases. J'espère que vous priez, voilà. J'espère que vous priez contre la jalousie. I hope that you are praying against jealousy. Et il m'a dit. And he told me. Vendez les livres. Sell books. Si vous vendez les livres, if you sell books, si les pasteurs vous persécutent, if pastors persecute you, les gens ne vont pas les suivre. People will not follow them. Parce qu'ils connaissent ce qui est dans les livres. Because they know what is in the books. Les âmes qui marchent là, those souls that are working around, ils ont le cerveau. They have brains. Là, c'est moi qui dis maintenant. I'm the one saying this now. Quand tu veux les manipuler, if you want to manipulate them, ça ne peut pas marcher. It cannot work. Tu peux dire le pasteur, mais il ne connaît rien. Tu dis ça à quelqu'un qui a le brisement de lien entre ses mains. You can say Pastor Menye knows nothing, but you say that to someone who has the breaking of ties in his hands. Qu'il a écrit les bêtises de Satan. Qu'il a écrit les bêtises de Satan. And he has written that he has written the folly of Satan. Quand tu finis. When you finish, la personne finit la lecture. The person completes his reading. Et bénit Dieu pour le pasteur. And then he blesses God for the pastor. C'est comme ça que Dieu travaille. That's how God works. Et tous les missionnaires. And all the missionaries. Vendez nos livres. Sell our books. Ça va vous. Moi j'ai mis ça en pratique. Ça va vous sauver. It will save you. I've put it in practice. Sinon, quand les gens vont se lever pour te chasser d'un village, c'est ton travail qui va te sauver. It, so that when people rise up one day to send you away from a village, it is your work that will save you. Vendez les livres. Sell books. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Pour nous, en tant que communauté. For us as a community. Frères bien-aimés.
Beloved brethren, c'est une joie. It is joy. Quand tu vois comment une main travaille. When you see how the hand works. Il y a une complicité interne. There is an internal complicity. Quand je veux soulever, quand je veux prendre les lunettes. When I want to take up my glasses, j'envoie deux petits doigts. I send two small fingers. Et je soulève les lunettes. And I take up the glasses. Quand je veux soulever la Bible, when I want to raise the Bible, j'ai besoin de tous les cinq doigts. I need all of the five fingers. Pour chaque activité, il y a des doigts spécifiques pour accomplir ça. For every activity, specific fingers are needed to accomplish it. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Nous sommes les membres d'un même corps. We are members of the same body. Le principe de l'élection veut que tu saches qu'il n'y a parmi nous ici personne qui mérite ce qu'il est par la grâce de Dieu. The principle of election means that you should notice the fact that there is none amongst us here who deserves what he has. It is the grace of God. Et que ceux qui ont reçu un peu plus, and that those who have received a little more, humainement parlant, that is humanly speaking, ne doivent pas s'enorgueillir. Must not get proud. Ils n'ont pas acheté ça. They did not buy it. Ils ne méritent pas. They don't deserve it. On se glorifie quand on mérite. One glorifies himself when he deserves something. Mais je vous dis la vérité. But I tell you the truth. Sur la planète Terre, on planet Earth, l'œuvre que Jésus a accomplie, the work that Jesus accomplished, c'est une œuvre parfaite. It's a perfect work. Une œuvre de compassion. A work of compassion. Une œuvre de miséricorde. A work of mercy. Ce que tu admires en ton frère là, what you admire in your brother, c'est un cadeau. It's a gift. Toi-même tu as ton cadeau. You also have your gift. Et nous avons des cadeaux. And we all have gifts. Si ton frère gagne une âme, if your brother wins a soul, écris ça dans ton cahier d'action de grâce. Write it in your thanksgiving book. Le frère Edwin a gagné une âme. Brother Edwin won a soul. N'attends pas quand tu ne va pas lutter pour écrire Seigneur, moi aussi j'ai gagné une âme aujourd'hui. Non, écris d'abord, Père, je te rends grâce. Le frère Edwin a gagné une âme. Don't go and fight to write that I too, Lord, thank you, I won a soul today. Go and write first that Lord, thank you, brother Edwin has won a soul. Moi, j'ai peur du principe de l'élection. I am afraid of the principle of election. Parce que c'est une cause de grand jugement. Because it is a cause of great judgment. Quand Dieu a travaillé, when God has worked, et tu veux que ce soit vu comme c'est toi qui travailles, and you want it to be seen as if it is you who worked, ce n'est pas bon. It is not good. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Mais quand Dieu t'a utilisé, but when God has used you, il faut dire ça à tout le monde. Say it to everyone. Parce que les miracles, because miracles, les prodiges, signs, sont un signe authentique de la parole de Dieu, de la présence de Dieu qui accompagne son ministère. Are a sign of the power of God that is accompanying the ministry. C'est pour cette raison que je disais aux frères que j'ai beaucoup rendu grâce. Je disais aux frères à Koumé. I told the brethren in Koumé that I thank God so much. Que j'ai rendu grâce pour le frère Théodore. That I thank God so much for brother Theodore. On a vu des, j'ai vu pas on, j'ai vu des miracles. I'm not saying that we, but I've seen miracles. Je n'avais jamais pensé qu'il faut écrire. I never thought that they should be written. Pour que ça soit utile à d'autres personnes. So that it should be useful to others. Quand il y a eu résurrection de la maman de Dimokro, de Daokro. When the mama of Daokro was raised to life. C'est là où la révolution a commencé. That's when the revolution started. Le frère Théodore m'a appelé et dit que faire un documentaire. But a fellow called me and said, make a documentary. J'ai dit, mais documentaire pour ça là. I said, a documentary for this. Je n'ai pas fait. I didn't do it. Après, il a encore appelé. Afterwards, he called again.
Il dit, vous avez fait le documentaire. And he asked, have you produced the documentary? J'ai fait timidement par obéissance. I timidly did it by obedience. Après, Dieu m'a parlé. After that, God spoke to me. Que ces miracles, that this miracle, ne sont pas seulement pour la CMCI. It's not only for CMFI. C'est pour le corps de Christ. It's for the body of Christ. For humanity. Si les apôtres n'avaient pas écrit pour eux dans les actes, if the apostles did not write theirs in the Acts of the Apostles, comment allions-nous savoir ce qui s'était passé? How would we have known what happened? Là, frère bien-aimé, dear beloved brethren, je me suis repenti. I repented. Le résultat, the results, nous avons un secrétariat de témoignages. We have a testimony secretariat. Quand nous sommes allés à la convention mondiale, when we went to the World Convention, il y a eu plus de 4000 miracles dans toute la communauté. There were more than 4000 miracles in the whole community. La Côte d'Ivoire avait plus de 3000. Côte d'Ivoire alone had more than 3000. Donc, je dis aux frères, je suis délivré de cette tendance charnelle. I told the brethren that I'm delivered from this carnal tendency. Que les gens, la vaine gloire, là, je ne veux pas parler de ça. Now this issue of vain glory, I don't want to speak about this. Quand le Seigneur m'avait ravi et il m'avait parlé, j'ai fait un mois sans dire aux gens. Je disais que les gens vont dire que je suis spirituel. Ça, c'est la chair. When the Lord had taken me up and spoken to me, I spent a month without saying it to anyone because Dieu I said Dieu t'accorde people la grâce d'expérimenter des choses rares et puis tu es là comme un petit craintif. God grants you the grace to experience rare things and you are there just like one fearful little child. Parce que tu as peur de pécher. Because you are afraid to sin. Tu oublies que tu bloques la gloire de Dieu. You forget that you are blocking God's glory. Donc tu vas rendre témoignage. So you will testify. Tu vas te réjouir des témoignages des autres. And you rejoice about the testimonies of others. Ne cours pas. Do not run. Ne désire pas. Do not desire. Dans ce domaine. In this domain. Ça vient du souverain. It comes from the sovereign. Lui qui sait tout. He who knows all. Lui qui peut tout. He who can do all. Lui qui fait tout. And he who does all. Lui qui élève. He will raise it and he will bring down. Lui qui bénit. He will bless it. Lui qui peut maudire. And can curse. Lui qui fait vivre. He will make to live. Lui qui peut tuer. And he who can kill. Il est souverain. He is a savior. Il fait grâce à qui il fait grâce. He gives grace to whom he wants. À qui il fait miséricorde. And he gives mercy to whom le he wants. Le principe de l'élection. The principle of election. Nous brise. Breaks us. Nous rend humble. Makes us humble. Et augmente notre amour les uns pour les autres. And increases our love one for another. Si tu résistes à ça, if you resist it, tu vas commettre beaucoup de fautes. You will commit many errors. Tu vas te chercher là où tu ne seras jamais trouvé. You will look for yourself where you will never find yourself. Je rends grâce à Dieu. I thank God. Parce que j'ai compris cette doctrine. Because I have understood this doctrine. Je l'ai comprise. I've understood it. Et je prie que tu comprennes. And I pray that you should understand it. Je prie it. Que tu comprennes. I pray that you understand et it. Et que ça te donne la paix et le repos. So that it should give you peace and rest. Et que ça te donne d'aimer tes frères. So that it should make you to love the brethren. Et que la gloire de Dieu éclate. So that the glory of God will shine forth. Et que tu apprennes à dire je ne suis rien, je ne suis rien, je ne suis rien. So that you should learn to say I am nothing, I am nothing, I am nothing. Je n'ai rien. I have nothing. Que je n'ai reçu. That I did not receive. Tout ce que j'ai. All that I have. Je l'ai reçu. I received. Je ne dois pas me vanter. I must not je ne dois proud. Pas me glorifier. I must not glorify myself. Tenons-nous debout. Let us stand, please. Pendant que tu es debout, while you are standing, bénis le Seigneur pour un frère. Bless the Lord for a brother que tu estimes, whom you hold in high être estime, talentueux, whom you know that is talented. Et il te bat. Who beats you? Et ton cœur est frustré. And your heart is frustrated. Il réussit toujours là où tu as toujours échoué. He always succeeds where you have always failed. Bénis-le. Bless him. Et demande à Dieu de l'élever encore.
and ask God to raise him again. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Frère, j'ai été délivré de la jalousie à Douala. When I was delivered from jealousy in Douala. J'avais un ami intime. I had an intimate friend. Intelligent. Who was intelligent. Je l'aimais beaucoup. I loved him so much. À cause de lui, j'ai fait un an, une année scolaire sans manger à midi. Because of him, I went through an entire school year without eating at midday. Parce que je devais manger tous les midis chez ma tante. Because every midday I needed to take lunch in my aunt's house. Et nos familles étaient divisées, donc il était interdit que je marche avec lui. Et comme je ne pouvais pas aller manger sans lui, j'ai refusé d'aller manger. And our families were divided, and we did not have to work together. So, and I could not go and eat without him. And since I could not go and eat without him, I decided that I will not go and eat. Mais le gars était intelligent. But the guy was intelligent. Moi aussi j'étais un peu intelligent, mais je savais qu'il était plus fort. I too was a little intelligent, but I knew that he was stronger. Un jour je l'ai attrapé, j'ai dit, je vais te battre. So one day I held him, I said, I'm going to hit you. Nous étions petits, 6 ans, 7 ans, 8 ans. We were really small, about 6, 7 or 8. Il m'a regardé, il dit, moi je ne veux pas lutter, je vais aller à l'école, je serai grand. And he said, I will not fight. I will go to school and I will succeed. I will be great. Oui, je suis resté là comme ça. And I stayed there like that. Après, j'ai baissé mes mains. After that, I brought down my hand. Et notre amitié a continué. And our friendship continued. Après, j'ai eu des difficultés de financement. Comme j'étais orphelin, lui, son oncle l'a pris, ils sont allés, il a continué avec les études. And I had financial difficulties since I was an orphan, but his uncle took him and they went, and he went for further studies. Je me suis battu. I struggled. J'ai réussi à me faire inscrire en sixième. And I got into form one. Et lui, il passait maintenant en cinquième. And he was already going to form two. Quand on cause comme ça, il dit, vous verrez ça l'an prochain. When we discuss, he just says, well, you'll see this next year. Quand je me bats avec la cinquième, là, le gars est déjà en troisième. When I'm struggling with form two, he is already going to form five. Et nous sommes des vrais amis. And we're true friends. Quand on cause, il dit, vous verrez ça l'an prochain. And when we discuss, he tells me, you'll see this next year. Après, afterwards, il a été orienté en C. He was oriented to the science class. J'étais orienté en A. And I was sent to the arts class. La jalousie était toujours là. And the jealousy was still there. Mais j'ai réussi à le rattraper. But I succeeded to catch up with him. Parce qu'on a eu le bac la même année. Because we had the baccalauréat the same year. Mais il avait plus de débouchés que moi. But he had many openings than myself. C'est-à-dire quand tu as fait la littérature, les concours sont rares. You know when you study arts. Entrance exams are difficult to get. Telle école, tu sors ingénieur. Telle école, ingénieur. For this school, you have engineers. This school for engineers and the rest. J'ai dit. Et puis là où c'est bon même pour nous, là il faut aller doctorat. And where it is very good for us, you have to go right up to the PhD. Nous étions déjà des enfants de Dieu authentiques. We are already very true children of God. Un jour, le frère Zach est venu. One day, brother Zach came. Et je me repentais, je me repens, je tombe, je me repens, je tombe. I used to repent and fall, and repent and fall. Le frère Zach est venu. Brother Zach came. Il dit, si tu es jaloux de quelqu'un. He said, if you are jealous, tu te repens. Repent. Tu bénis la personne. And you bless the person. Ah, je connaissais ça. I knew it. J'avais déjà fait ça plusieurs fois. I'd already done that many times. Mais ce jour-là, but that day, il dit, tu bénis la personne. And he said, you bless the person. Et tu demandes que la personne te dépasse. And you should ask that the person should go above you, should outclass you. C'était là ma délivrance. That was my deliverance. Je me suis arrêté là. I stood right there. Je peux comprendre que je bénisse la personne. I could understand that I should bless that person. Quelqu'un qui est déjà fort. But someone who is already stronger. Je dois maintenant bénir la personne pour que la personne me dépasse. Now I had to bless that person for him to go above me. J'ai béni le frère. I blessed the brother. J'ai béni le frère. I blessed him. Je suis passé
au stade supérieur. And I went to the higher level. J'ai prié qu'il me dépasse. And I prayed j'ai prié maintenant sincèrement avec amour. And I prayed sincerely with love. Et puis j'ai prié avec liberté et joie. And I prayed with freedom and joy. C'était la fin jusqu'à aujourd'hui. And that was the end until today. C'était la fin. That was the end. Et puis Dieu m'a béni. And then God blessed professionnellement. Professionally. Même spirituellement. Even spiritually. Frère bien-aimé. Beloved brethren. Bénis la personne. Bless the person. Que la personne te dépasse. And say the person should go above you, should outclass you. Tu verras la différence. And you will see the difference. Prions ensemble. Let's pray together. Si tu te repens seulement, ça ne change rien. If you only repent, it changes nothing. Si tu bénis la personne, if you bless the person, ça ne change rien. It changes nothing. Mais si tu la bénis, but if you bless him, avec la supériorité sur toi, with superiority over you, tu es délivré. You are delivered. Tu es délivré. You are delivered. Parce que tu es sincère. Because you are sincere. Merci Seigneur. Père, que ta grâce soit sur nous. Que ta faveur nous soit accordée. May your favor accompany me. Que la délivrance soit totale. May deliverance be total. Qu'il y ait la joie dans ta maison. May there be joy in your house. Que chaque saint, so that every saint se réjouisse. We rejoice. Des bénédictions des autres. About the blessing of others. Que chaque saint, that every saint se réjouisse. We rejoice. Des dons. About the gifts. Et des talents des autres. And the talents of the others. Que ce soit la fin. May it be the end. De la jalousie. Of jealousy. La guérison totale. Total healing. La fin. The end de la jalousie, of jealousy. La guérison totale, total healing. La fin, the end de la jalousie, of jealousy. La guérison totale, total healing. La guérison totale, total healing. La guérison totale, total healing. Même ceux qui ne sont pas là ce soir, even if they are not there tonight, quand la nouvelle, when the news les atteindra, will get to them, que ce soit la repentance, may it be repentance, et la bénédiction, and blessing de leurs frères, of their brethren, au nom de Jésus-Christ, in the name of Jesus Christ, amen, amen.